This morning, le pasteur Thomas nous a dit que quand Dieu te dit une chose, Pastor Thomas told us this morning that when God tells you something, quand tu reçois une parole, when you receive a word from God, il faut rentrer à Dieu. You have to go back to God. Est-ce que quelqu'un a compris ça ce matin? Did someone understand that this morning? Une parole vient d'être relâchée. A word was just released now. C'est un appel. It's a call. À tout responsable d'église. To all responsible of churches. D'aller au lieu de la rencontre. To go at the place of encounter. Dieu, God, nous attend quelque part. Wait on somewhere. Cher collaborateur. Dear collaborator. Cessons de nous contenter de la médiocrité. Stop contenting of mediocrity. Dieu est un producteur de preuves. God is a producer of proofs. Jésus, Jesus, a fait d'eux, did of them, des producteurs de preuves. Of proofs. Vous recevrez une puissance. You shall receive a power. Quand le Saint-Esprit. When the Holy Spirit shall come down on you. Serez. And you shall be. Comme moi. As me. Et vous serez comme moi. And you shall be as me. Et vous ferez ce que je fais. And you shall do what I do. Vous recevrez puissance. You shall receive the power. Recevoir une parole prophétique, c'est bien. Receiving a prophetic word is good. Travailler à son accomplissement, c'est mieux. Work to its accomplishment is better. À la fin de la convention. At the end of the convention. Cher collaborateur. Dear collaborator. Ce sera le début. It shall be the beginning. D'un autre travail. Of another work. Et si tu sors de cette convention. And if you go out of this convention. Et tu vas dormir. And you go and sleep. Tu resteras la même personne. You shall be the same person. Dieu dit. God says. Que partant d'ici. That going from here. Un feu sera allumé. A fire shall burn. Pour embraser nos villes. To burn our lives. Nos villages. Our village. Nos quartiers. Our quarters. En d'autres termes. In other terms. Dieu. God. Nous donne la nation. Gives us the nation. Je ne suis pas en train de prêcher. I'm not preaching. Je suis en train d'expliquer le message prophétique. I am explaining the prophetic message. Parce que si tu reçois une chose, because if you receive, et tu ne comprends pas, and you don't comment tu dois fonctionner dans cette how chose, to function, tu vas rester la même personne. You shall be the same person. Ma femme m'a dit il y a quelques jours. My woman told me. J'aime ma femme. I love my wife. Ma femme, c'est mon meilleur défi. My wife is my best challenge. Elle m'a dit. She told me. Mais tu avais prophétisé sur cet homme. But prophesized on that man. C'était à Douala. It was at Douala. À la nuit de la destinée. At the night of the destiny. J'ai prophétisé. I prophesied. Sur quatre personnes. On four people. Je ne peux pas oublier cette lumière. I can't forget. Il y a des choses que j'oublie, mais il y a des choses que j'oublie. There are things I forget and there are things I can't forget. The first person a eu son miracle deux semaines plus tard. Had his miracle 2 weeks after. Et juste aujourd'hui, elle est rentrée dans son miracle. Until today, she entered her miracle. Sa vie a totalement changé. Her life totally changed. Même son physique a changé. Even her physical changed. La deuxième personne, the second person, Dieu, God, est en train is d'accomplir accomplishing dans cette saison, in this season, sous mes yeux, under my, on my eyes, ce que j'ai déclaré il y a plus de 10 ans. Je suis en train de le voir jaillir. I am seeing it come. La troisième personne, the third person, je continue d'attendre. I continue waiting. Mais je vois Dieu à l'œuvre. But I'm seeing God at work. Je vois Dieu à l'œuvre. I'm seeing God at work.
Mais cette personne but that person a douté, doubted, et Dieu l'a enchaîné. And God chained him. Et maintenant il va être déchaîné. And now he's being manifested. For to et la quatrième personne, and the fourth person est morte. Is dead. Sans avoir expérimenté ce que j'ai dit. Without experimenting what I said. And my wife told il faut demander pardon. You have to ask for forgiveness. Je vous raconte une histoire de notre vie. I am telling you a story of our birth. J'ai dit je ne demande pas pardon. And I say I shall not ask for forgiveness. Ce que j'ai dit, what I said, je l'ai entendu du ciel. I heard it from heaven. Je ne m'en répands pas. I can't repent of it. Et j'ai fermé mes yeux, j'ai dormi jusqu'au matin. And I closed my eyes and I slept in peace. J'ai dormi en paix. And I slept in peace. Vous savez, you know, vous pouvez mentir. You can lie. Et faire trembler quelqu'un qui ne connaît pas. Or make tremble someone that doesn't know. The one who knows. Même si le monde s'écroule. Even if the world scatters. Il connaît. He knows. Tout ce que dit un prophète, all what says a prophet, je vais vous choquer. I shall shock you. Peut ne jamais s'accomplir. Can never accomplish. Si celui qui reçoit la prophétie, if the one who receives the prophecy, ne s'engage pas à prendre la responsabilité, do not engage to take the responsibility. La prophétie est un appel à la responsabilité. The prophecy. Je ne suis pas en train de prêcher. I'm not preaching. Je suis en train d'établir quelque chose. I am establishing. Pour que quand nous serons partis d'ici, so that when you shall go from here, nous choisissons we should choose soit de vivre des changements, or of living changes, soit de rester comme nous sommes, or to stay as you are. La prophétie. The prophecy, c'est comme une porte ouverte. It's like an open door. Mais tu peux refuser de passer. But you can refuse to pass by. Entendre, recevoir une prophétie. Receiving a prophecy, ça ne suffit pas. It's not sufficient. Il faut accepter de fonctionner. Accept to function dans la dimension prophétique. In the prophetic dimension. Merci. Thank you. Merci, ministre Léon. Thanks, Minister Lima. Merci pour cette parole. Thank you for that word. Le ciel est vraiment ouvert. Heaven is really open. Merci pour cette parole. Thank you for that word. C'est une bonne exhortation pour l'église. It's a good exhortation for the church. De plus en plus. More and more. Je crois. I believe que l'heure est arrivée, that the time has come, où le Cameroun doit être moisson, where Cameroon has to be harvested. Je crois que nos pères ont planté. I believe that our fathers sowed. Et je crois que maintenant la moisson est mûre. And I think that now the harvest doit être moissonné. My country has to be harvested. Et j'ai dit le premier jour, and I said the first day, dans cette saison, that in this season, Dieu va tuer les faux serviteurs de Dieu. Je ne m'en réponds pas. I'm not exactement les tuer. God shall exactly kill them. Nous sommes dans une saison. We are in a season. Où Dieu va nous donner l'opportunité si nous voulons. Where God will give us the opportunity if we want. D'élever au rêve. To lead. Élever au rêve. Au rêve, c'est au rêve. Au rêve. La montagne du rêve. The mountain of Horeb. La montagne du rêve. The mountain of Horeb. La montagne où Élie a confronté 850 prophètes. Elijah went against 850. Un seul homme. One man. A confronté. Went again. 850 prophètes. 850 prophètes. 400 prophètes de Baal. 400 prophètes. 450 prophètes de Baal. And four. Et il les a tous tués. And he killed them all. Amen. Yes. Je sais que les gens n'aiment pas quand je prêche comme ça. I know that people don't like when I preach like that. Mais il y a une notion qui tue aussi.
And there is also an anointing that kills. Et il les a tués. And he kills them. L'église du Cameroun va entrer dans la confrontation. The church of Cameroon will enter in confrontation. Pendant que mon fils parlait, j'étais assis là. When my son was speaking, I was there. Et le Seigneur était en train de me dire. And the Lord was telling me. Sais-tu? Do you know qu'il y a des prophètes qu'on aime et des prophètes qu'on n'aime pas? That there are prophets we love and some that they don't love. Et il m'a ramené. And he called me to Josaphat. At the time of Josaphat. At the time of Achab. Les deux rois ont régné sur deux royaumes au même, à la même époque. The two kings reigned on the same kingdom at the same stage. Josaphat a régné sur Juda. Josaphat reigned on Judah. Et Achab a régné sur Jérusalem. Achab reigned on Israel. Mais écoutez ça. But listen to this. Il y avait 400 prophètes. There were 450 prophets. Qui mangeaient à la table du roi Achab. That ate at the table of the king Achab. Et qui passaient le temps and à lui dire du mensonge. Passed their time to lie him. Il y avait un prophète. He was a prophet. Que le roi n'aimait pas. That the king do not love. Parce qu'il ne prophétisait pas les bonnes choses. Because he did not prophesy. Mais il prophétisait quand même. But he prophesied. Il prophétisait. But he prophesied. Selon l'ordre. To the order. Que l'Éternel lui donnait. According to the order that the Lord gave him. Je suis déjà rentré dans mon message. I've already entered my message. Nous sommes dans une croisade. We are in a crowd. Parce que ce soir, a crusade, because this evening, j'ai des choses difficiles à dire. I have difficult things to say. Et vous pouvez ne pas m'aimer. And you would like to not love. Je vous en donne la permission. I give you the permission. Je n'ai pas de fan club. I have no fan club. Je prépare le fan club de Jésus. I prepare the fan club of Jesus. Donc si quelqu'un ne m'aime pas. So if someone does not love me, ça ne m'ennuie pas. It's not a problem for mais me. Mais quand tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas. But if you love or you don't love, tant que tu es Camerounais, as you are Cameroonian, je prie pour toi. I pray for you. Yes. C'est un devoir pour moi. It's a duty for me. Quand tu aimes Jésus, you love quand tu n'aimes pas Jésus, so you don't love Jesus, tant que tu es Camerounais, as you are a Cameroonian, je prie pour ma nation. I pray for my nation. Dieu God va accomplir, shall accomplir sa parole his word sur le Cameroun. On le temps ancien, the time où ce n'est pas le football where is not the qui football va identifier le Cameroun, c'est l'évangile. C'est l'évangile. C'est l'évangile. C'est l'évangile. Ce temps est déjà venu. That time is already dead. Miché savait qu'Akab ne l'aimait pas. Mika knows that Akab did not love him. Mais ça ne le dérangeait pas. But it did not disturb him. Ce qui nous dérange, what disturb us, c'est que nous avons besoin que le monde nous aime. Is that we need that the world should love us. Nous ne sommes pas ici pour être aimés. We are not here to be loved. Nous sommes ici pour proclamer la vérité de l'évangile. We are here to proclaim the truth of the gospel. Et c'est le festival de l'évangile. It's the festival of the gospel. Je bénis Dieu. I bless the Lord. Est-ce que ce soir, this evening, est-ce que ce soir, this evening, vous me donnez la permission de vous ramener dans la Bible. Can you give me the permission to bring you back in the Bible? De vous ramener dans la Bible. To bring you back in the Bible. Est-ce que vous avez la permission ce soir? We give you the permission. D'apporter dans une campagne d'évangélisation. Of bringing in a campaign of evangelism. Un message évangélique et doctrinal. An evangelic and doctrinal message. Parce que si un docteur évangéliste, because if there is a doctor and an evangelist, il est obligé aussi. He is obliged de réglementer la doctrine. To regulate the doctrine. Ouvre ta Bible avec moi. Open your Bible with me. Dans le livre.
book de Deux Rois, of 2 Kings, au chapitre 5. Chapter 5. Ce soir, this evening, j'ai un message puissant pour toi. I have a powerful message for you. Il peut t'énerver, mais il va te sauver. He can make you angry, but it will save you. Il vaut mieux que tu sois énervé et sauvé. It's better to be angry and deceived, que d'être content et perdu. That you are in joy and you are lost. Deux Rois chapitre 5. 2 Kings 5. Je vais lire à partir du verset 1. I'll read from verse 1. Jusqu'au verset 19. Verse 19. C'est une assez longue lecture. It's a very long reading. C'est important de lire la Bible. It's important to read the Bible. Le premier texte, c'est celui-là que nous allons lire. The first text is that you will read. Et si cela ne vous dérange pas, and if it did not, je vais vous inviter à vous mettre debout. I will invite you to stand on your feet. Et à lire ce texte avec and moi. To read this text with me. Si vous avez une Bible, if you have a Bible, allez dans l'Ancien Testament. Go in the ancient, in the Old Testament. Ouvrez le livre de Deux Rois. And open the book of 2 Kings. Allez au chapitre 5. Go at the chapter 5. Nous allons lire ensemble. And we shall read together. Je lis le premier verset. I read the first verse. Et on lit les deux versets suivants ensemble. And we read the two following. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Like that till the end. Donc je lis un verset. So I read one verse. Et ensemble nous lisons deux versets. And together we read two. Jusqu'à la fin. Till the end. Naaman. Naaman. Chef de l'armée du roi de Syrie. The commander of the. Jouissait de la faveur de son maître was a highly respected and et d'une grande considération. And of the great car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. For it was by him that the Lord gave victory to the Syrians. Mais but cet homme fort that et vaillant était lépreux. Was a leprous. Deux et trois, allons-y. Two and three. Or les Syriens étaient sortis par trop. Et ils avaient amené les captifs, une petite fille du pays d'Égypte, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, when Naaman heard that, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. 5 et 6, disons ensemble. Et le roi de Syrie va rendre à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 5000 sicles d'or, 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était écrit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie la main à mon serviteur afin que tu le guérisses de sa lèpre. Il dit, suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez comme et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Disons ensemble 8. Lorsque Élisée, le Dieu, après que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi tu déchirais tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Non, je vois le désordre. Je vais dire, on lit deux ensemble et je lis deux. I said two together and I read one alone. Naaman vint avec ses chevaux et son char. So Naaman went with him. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Lisons 10 et 11. Élisée lui dit par un messager, va et lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa,
ne va-t-il pas mieux que tous les autres Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. 13 et 14. S'approchait pour lui parler et lui dit, mon père, si le prophète lui demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a demandé? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Maman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. 16 et 17. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur, je n'accepterai pas. Maman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors maman dit, puisque tu refuses, père, réponds donc de la terre à ton serviteur, une charge de 2000 mètres, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, et maman offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur moi-même, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Verset 19, on le dit tous ensemble. Élisée lui dit, va en paix. Non. J'ai dit jusqu'au verset 19. Il faut être attentif. Ok, continuons. Élisée lui dit, lorsque maman Élisée et qu'il fut à une certaine, ce n'est plus intéressant. C'est vraiment un paix qui est important. Donc, il dit à quelqu'un, tu vas rentrer ce soir en paix. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. In the presence of God. Je vais lire 2 autres textes. I read 2 other texts. Le premier, the first, c'est dans le deuxième, comme je dis, in Mark, que je vais lire, c'est dans Marc. The second I read is in Mark. Un texte dont nous sommes un peu plus habitués. A text of which we are a people more. C'est dans Marc. It's the Mark. Mark, it's chapitre 16. 16. C'est le dernier verset, chapitre de Marc. It's the last chapter of Mark. Et je vais lire. And I read. À partir du verset 15. Jusqu'au verset 20. Je vais faire cette lecture. Puis il leur dit, after that, he said, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Go through the whole world and preach the gospel to all mankind. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Believers will be given the power to perform miracles. They will drive out demons in my name. They will speak in strange tongues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils se poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. If they pick up snakes or drink any poison, they will not be harmed. They will place their hands on sick people who will get well. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut en
ciel et s'assit à la droite de Dieu. After the Lord Jesus had done with them, he was taken up to heaven and sat at the right side of God. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. 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 The Lord worked. Et confirmait la parole. And confirmed. Et confirmait la parole. And confirmed. Par les miracles. By miracles. Tu l'accompagnais. That accompagnait. Dis trois fois amen. 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 Et le dernier texte que je vais lire. And the last text I will read. Se trouve dans l'épître de Romains. Is in Romans. L'épître de Romains. Romans. C'est le premier épître. Is the first. Après acte des apôtres. After the acts of the apôtres. Commence les épîtres. Start the writing. Personne ne peut parler de doctrine sans lire les épîtres. No one can talk of doctrine without reading the writing. La doctrine. Doctrine revient aux épîtres. Comes back to letters. C'est pourquoi je vais lire Romains chapitre 8. It's why I'll read Romains chapitre 6. Romans 6. À partir de son verset 1. From verse 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? What shall we say then? Shall we continue to live in sin so that God's grace will increase? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Certainly not. We have died to sin. How then can we go on living in it? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Who were baptized in Jesus Christ. C'est en sa mort is in his que nous avons été baptisés. That we were baptized. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Buried with him by en sa mort. In his death. Afin que so that, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, the glory of the Father, de même, that de même, nous aussi, nous marchions we were en nouveauté de vie. In a new way of living. En effet, in fact, si nous sommes devenus if we became une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, by the conformity nous le serons aussi we shall also par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps so that the du péché fût détruit pour que nous so soyons plus esclaves du péché. We should not be slaves. Car celui qui est mort because est libre du péché. Is free of sin. Or, oh, yeah. Si nous sommes morts avec Christ, we cry, nous croyons que nous vivrons that we shall aussi also avec lui. With him. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Christ ne meurt plus. Christ ne meurt plus. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Has no power on him. Père, nous te rendons grâce ce soir pour ta parole. For your word. Bénis ta parole dans bless nos cœurs. Rends ta parole visible. Rends ta parole visible. Rends ta parole visible.
Rends ta parole compréhensible. Rends ta parole accessible. Make your word accessible. Père, ouvre les yeux à quelqu'un. Open the eyes of someone. Change la compréhension de quelqu'un. Lighten someone. Establish your grace. In the life of someone. Ask quelqu'un. Seize someone. The power of the first to plead. Of the first to plead. Of Father, bring someone from lie to truth. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je sais que tu es ici. Alors que je prêche ta parole. Oh Père, c'est toi qui m'as choisi. Donne-moi à le prêcher que ta parole. Of just preaching your word. Father, guéris les malades. Délivre les captifs. Sauve les pécheurs. Restaure les vies brisées. Oh Père. Pray selon les desseins de ta volonté. Toi, de toi, au nom de Jésus le Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Acclame. Lève de toi, s'il te plaît, acclame le Seigneur. Avec la même vérité, goes through with the same truth, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, of the Old Testament to the New Testament. Alors cette vérité est établie. So that truth is established. Ce soir, this evening, le thème de mon message, the theme of my message, es-tu passé? Have you passed de la mort à la vie? From death to life. Es-tu passé? Have you passed de la mort à la vie? From death to life. Es-tu passé? Have you passed de la mort à la vie? From death to life. C'est la question. This is a question que je vais te poser ce soir. That I want to ask you. Es-tu réellement passé? Have you really passed de la mort à la vie? From death to life. Ma Bible dit. My Bible says. Qu'il y avait en Israël. That they had in Israel. Une jeune fille. You turn du temps de prophète Élisée, of the time of prophet Elijah, le royaume d'Israël, the kingdom of a été attaqué, was attacked par le royaume de Damas, by the kingdom of Damascus, par le royaume de Damas, by the kingdom of Damascus, le royaume d'Assyrie, the kingdom of Syria, le royaume d'Assyrie, the kingdom of Syria, la capitale d'Assyrie c'est Ninive, the capital of Assyria, of Syria. Et vous comprenez pourquoi Jonas ne voulait pas aller prêcher à Ninive. You understand why Jonas did not want to go and preach. Pourquoi? Why? Parce que les Assyriens. Because the Assyrians, the Syrians. Aujourd'hui, la Syrie, c'est l'Irak actuel. Today, Assyria is Iraq. Les Assyriens. The Assyrians avaient had combattu Israël. Fought against Israel. Ils avaient vaincu. And conquered. Mais ils avaient fait des prisonniers. And they think of them. Mais dans le cœur du prophète Jonas. In the heart of the prophet. Il se souvient de l'humiliation. He remembered the humiliation. Que la Syrie a donné. That Syria gave. Que la Syrie a donné à Israël. Et il ne voulait pas aller à Ninive prêcher. Mais Dieu l'y a obligé. But God obliged. Parce que Dieu est amour. Because God is love. Je vais le dire à quelqu'un ce soir. I want to tell Jésus t'aime. Jesus loves you. Même avec ta méchanceté, Jésus t'aime. Même avec ton péché, Jésus t'aime. Jésus t'aime tel que tu es. Il va te recevoir tel que tu es. Et il va te transformer en ce qu'il veut que tu sois. Tu peux venir à Jésus tel que tu es. Mais tu ne peux pas demeurer tel que tu es. You can't abide as you are. Alors, tu vas dire à quelqu'un ce soir. Cher ami, beloved one, tu peux venir à Jésus tel que tu es. You can come to Jesus as mais you tu ne peux pas demeurer tel but que tu es. You can't stay as you are.
Ma Bible dit, my Bible says, que Naaman, that Naaman, le héros, the hero de la Syrie, of Syria, le héros de Ninive, the hero of Ninive, le général Naaman, the general, le chef de l'armée assyrienne, the chief of the Syrian army, jouissait de la faveur du roi. Had the favor of the king. Et une grande considération. And had a great consideration. Respect. A great respect. Une grande considération. A great respect. Il était très respecté. He was very respected. Pourquoi? Why? Oh, j'aime la Bible. I love the Bible. J'aime la Bible. I love the Bible. Pourquoi? Why? Parce que because c'est par lui. It's by him. C'est par lui him, que l'Éternel that the Lord avait délivré delivered les Assyriens du joug of the yoke d'Israël. Of Israel. You are not shocked. You are not shocked. Israël c'est le peuple de Dieu. Israel is the people of God. Ils vont en guerre. They go to war. Ils assujettissent un peu. They conquer a people. Et Dieu suscite. And God, dans ce peuple qui ne connaît pas Dieu, in that people, un that nom God does not know, pour vaincre Israël. A man to conquer et reprendre l'indépendance. And take independence. Dieu, God, n'est pas chrétien. Is not Christian. Dieu, God, est au-dessus du christianisme. Above Christianism. Dieu aime tous les hommes. God love. Dieu aime tous les hommes. God love every man. Dieu aime les bouddhistes. God love. Dieu aime les musulmans. Love God Muslims. Dieu aime les musulmans. God love Muslims. Dieu aime les animistes. God love animists. Dieu aime. God, tel que tu es, as you are, et il va venir te sauver tel que tu es. He shall come to save you. Mais il ne te laissera pas tel que tu es. He shall not leave you stay as you are. Pourquoi Dieu a fait cela? Why did God do that? Écoutez-moi. Listen to me. Dieu, God, savait you qu'il y avait un homme that was a man dans ce pays in that pre- dont tu devais changer l'histoire. That was to change it. Dieu, God, a permis cela. Permitted that. Pour que Naaman entende parler de l'évangile. So that Naaman, yes, talk of the gospel. Il n'y a pas de hasard en there Dieu. Is no chance in God. Il n'y a pas de hasard there en Dieu. No chance in God. Nous ne sommes pas ici au hasard. We are not here by chance. Je ne suis pas en train de t'enseigner et de prêcher au hasard. I'm not written by chance. Tu n'es pas arrivé ici au hasard. You can't arrive here by même chance. Si tu as ramassé un prospectus en route. Même si tu as été invité par un coup de pied, ce n'est pas un hasard. C'est un rencontre, une rencontre avec ta destinée. Ce soir, Dieu va changer quelque chose dans ta vie. Ce soir, Dieu va écrire une nouvelle histoire avec toi et pour toi. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus-Christ, Naaman a vaincu Israël. Conquered Israel. Il a libéré son peuple. Liberated his people. Du joug d'Israël. Il est rentré dans son pays. Dans son roi l'aimé. Parce que tout maître aime les bons serviteurs. Because all master love good self. So what the man? He king. Parce qu'il a produit de bons résultats. Because he had good results. Si tu sers un homme, if you serve him, si tu sers l'Éternel, if you serve the Lord, et que tu ne produis pas de bons résultats, you don't produce good, malgré tout ce que l'Éternel fait pour toi, no matter all what God tu vas for briser you, son cœur. You shall break his heart. Les serviteurs, the servants, doivent s'assurer has to plaise à leur maître. Une de mes plus grandes prières, Seigneur, aide-moi à être agréable. To be at oh, combien j'aimerais, to you. Combien j'aimerais
How will I know que lorsque tu es assis sur son trône, that when God is seated on et qu'il regarde la terre, and that he looks the quand ses regards passent, when his regard par le Cameroun, in Cameroon, il regarde, he looks, et qu'il trouve un homme, and that he finds appelé a Nanga Obake, called Shammai Obake, qui le fait sourire, that makes him smile. Seigneur, c'est tout ce que je veux. Lord, it's all what I desire. Être un homme, being a man, qui te fait sourire, who makes you smile. Naaman, Naaman faisait sourire au roi. Makes smile. Il avait délivré le roi des maux de tête. He delivered the king of le casse-tête d'Israël était fini. The head of Israel was finished. Et Naaman a pris des prisonniers. And Naaman took prisoners. Ah, j'aime Jésus. I love Jesus. Naaman a pris des prisonniers. Naaman took prisoners. Et il a pris beaucoup de prisonniers. And he took many prisoners. Et il les a amenés dans son pays. In his country. Et il a pris une petite fille. And he took a small girl. Une petite fille. A small girl. Comme les petits enfants que j'ai entendu chanter ici. Like the small children I had seen. Ah, il a pris une petite fille. He took a little girl. Une toute petite fille. A very little girl. Et il a dit toi. And he said you. Viens. Come. Tu vas vivre chez nous. Shall live with me. Tu seras l'esclave. You shall be slave. De ma femme. Of my wife. Of my wife. Tu sais. Do you know? Même si. Even if. On t'amène comme esclave. They bring you like slave. Ça ne change pas que tu es enfant de Dieu. It don't change that you are a child of God. Est parti chez Naaman. Went to Naaman's house. Elle n'avait pas son père à côté d'elle. She did not have her father. Elle n'avait pas sa mère à côté d'elle. She did not have her mother beside her. Elle avait son Dieu dans son cœur. But she had her God in her heart. Es-tu vraiment passé de la mort à la vie? Have you really passed from death to life? Es-tu vraiment passé de la mort à la vie? Have you really passed from death to life? My Bible says, cette fille israélite, that Israelite girl, tu sais pas quel âge elle avait. I don't know the age. C'est possible qu'elle ait eu moins de 15 ans. But she had less. Pendant qu'elle faisait la lessive, as she was washing, elle a remarqué des croûtes. She remarked some. She noticed some clouds. Sur les vêtements de Naaman. On the clothes of Naaman. Elle connaissait la lèpre. She knew leprosy. Personne en Israël ne peut ignorer la lèpre. No one in Israel can ignore leprosy. Écoute-moi. Listen to me. Aucun chrétien. No Christian. N'ignore quand il pêche. Ignore. When he sits. Aucun chrétien. No Christian. N'ignore quand il pêche. When he sits. Si quelqu'un pêche. When someone, if someone sees contre la loi de Dieu, against the law of the Lord, et qu'il ignore, and that he ignores, il n'est pas chrétien. He is not a Christian. Le Saint-Esprit atteste dans ton cœur, attests in your heart, que ce que tu as fait, that what you have just brought to, c'est pas selon Dieu, is not according to God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu vas quelque part, when you go somewhere, le Saint-Esprit te dit, the Holy Spirit tells, là où tu vas, where you are going? Je ne veux pas que tu ailles là. I don't want that you should go there. Nous péchons par rébellion. We see by rebellion. Nous péchons par transgression. We see by transgression. Nous péchons par iniquité. And we see impurité. By iniquity and impurity. Ma Bible dit. My Bible says, cette petite fille a remarqué quelque chose. That small girl, sur les vêtements de son maître. On the clothes of her master. Le premier jour. The first day. Elle a supporté. She supported. Le deuxième jour, elle a supporté. The second day. Pendant
pendant une semaine à supporter. Mais le Saint-Esprit lui disait, comment peux-tu laisser cet homme mourir alors que tu as la solution? Whereas, chrétien, je te dis, tu as la solution. Jésus est la solution. Tu as la solution. Comment peux-tu laisser ton collègue mourir? Comment peux-tu laisser ton frère mourir? Comment peux-tu laisser ta soeur mourir? Comment peux-tu laisser ton voisin mourir? Et continuer à fermer ta bouche alors que tu as la solution. Jésus est la solution. Oh, la petite fille a dit, je ne peux plus me taire. Je ne peux plus me taire. Madame, écoutez. Avec tout le respect que j'ai pour vous, all the respect I have for you, j'aime votre mari. I love your husband. Je sais I know que c'est le patron. That is a je sais que c'est le général. That is a general. Je sais que c'est un homme respectable. That is a respectable. Je sais qu'il a une position. He has a position. Je sais qu'il est fort. He has strength. Je sais qu'il est craint. I know that he is fearful. Mais il y a un mais dans sa vie. There is something in his life. Il a un problème. Il y a un mais. There is a but. But in his life. Mais. But. Dans sa vie. In his life. Il y a quelque chose. There is something. Qui ne marche pas bien. That does not work well. Il est libre. He's a leprosy. Je connais son problème. Il est libre. I know his problem. He's a leper. Mais aussi. But also. J'ai la solution. I have the solution. L'église. The church. Ne doit jamais signaler un problème. Has. Sans donner la solution. You don't have to signal a problem without giving the solution. The Christian ne signale pas seulement le problème. Did not just signal the il problem. Nous donne la solution. He gives the solution. Je sais. I know qu'il est lépreux. That he is a leper. Mais, but j'ai la solution. I have the solution. Si, if le patron, the master, se rendait dans mon pays, go in my country, là, there. Dans mon pays, in my country, où les maisons ont été brûlées, where houses were burnt, où le peuple a été enlevé, where the people were là, where derrière le carrefour, after that junction, quand tu tournes, when you turn, il y a une petite maison, this is small home, elle n'a pas le map, it did not have, elle n'a pas le map, it did not have marble, il n'y a pas les lustres d'or, they are not golden. Lustre boards, crystal boards. Il n'y a même pas la douche. There's not even a toilet. Mais. But. Il y a un homme là-bas. But there's a man there. Il y a un homme là-bas. There's a man there. Qui connaît? Who knows? Le Dieu du ciel. The God of heaven. S'il touche ton mari, if he touches your husband, il sera guéri. He shall be healed. Clap for the Lord. Madame, je connais le problème. I know the problem. Et voici la clé. And this is the key. Maintenant, now, tu es responsable. You are responsible. La femme, the woman, attendait son mari. Wait. He tell her husband, avec un sourire dans son cœur. With a smile in her heart. Lorsque Naman, when Naman est entré à la maison ce jour, entered the house, sa femme a commencé à sourire. His wife started smiling. Sa femme a commencé à sourire. His wife started smiling. Elle est allée le déshabiller. And she went and undressed. Elle a enlevé la veste. And she removed the clothes. Avec les galons. With the de général. Epaulettes. En riant. General. Savez-vous? Do you know? Vous pouvez pas comprendre ça. You cannot understand that. Quand Naman, when Naman était au bureau, was at the, les gens se coupaient. At the office, people bowed. Oui, monsieur le général. Yes, Mr. the General. Oui, monsieur le général. Yes, Mr. the General. Oui, monsieur le général. Yes, Mr. the General. Quand Naman, when Naman sortait dans la rue,
went out in the street, il y avait une sirène. There was a une sirène. There was a noise. That tout le monde savait où. Everyone knew. C'est le général. That it's the allez, general. Dégage. Go. Quand le général passe. The general is passing. Quand Naman. When Naman était avec ses amis. Was with his friends. Tout le monde le flattait. Everyone threatened him. Flattered him. Tout le monde le flattait. Everyone flattered him. Parce que les gens. Because people voulaient son amitié. Wanted his avoir ses faveurs. To have his favors. Mais. But. Quand Naman rentrait dans sa chambre. When Naman entered his room, qu'il enlevait, and that he removed la blouse de général, the clothes of general, son corps lui disait, his body told him, tu es lépreux, tu es lépreux. Tu sais toi-même, you know yourself, que tu es lépreux, that tu es lépreux. Et ça commençait and it started à détruire Naman. It destroyed Naman. Et il commençait à pleurer. And he started crying. Dieu God voyait les pleurs de Naman. Saw the tears of Naman. Dieu connaît tes pleurs. God knows your tears. Dieu connaît tes pleurs. God knows your tears. Dieu connaît ce qui te fait crier. God knows what makes you cry. Dieu connaît ce qui te fait crier. God knows what makes you cry. Oui, tu peux te passer pour être grand. You can pass yourself for being great. Tu peux te vanter avec tes yes, amis. You can pose before your friends. Tu peux faire beaucoup de bruit. You can make many noise. Mais au fond de toi, when at the deep of you, il y a une lèpre qui t'a vaincu. There's a leprosy affecting you. Tu connais. You know. Que tu ne peux jamais dormir. You can never sleep sans fumer. Without sans fumer. Without smoking. Tu es fatigué. You are tired. Mais tu es obligé. But you are obliged. Au milieu de la nuit. In the midst. Tu dois te lever. You have to start. Tu peux parcourir toute la ville. You can go. Il te faut trouver la cigarette. You have to find. Un jour, j'ai rencontré un fumeur. One day, I encountered a smoker. Merci parce que Jésus l'a délivré. Thank the Lord before. Il m'a dit, moi, il y a des nuits où je sortais. J'ai même pas d'argent. I don't even have mais il me faut fumer. But I mais je ne peux pas dormir sans fumer. And I can't sleep. Quelquefois, je marche. Sometimes I et un jour, and one day, cela m'a pris ainsi. That day, et j'ai trouvé qu'un like fumeur avait jeté son écho de cigarette. That a smoker threw his échelle of cigarette. And I took that end. Et j'ai fumé. And I smoked it. Pour trouver le sommeil. To find ma Bible déclare. My Bible declares. Que celui. The one. Qui est esclave. That du péché. Slave of sin. Est vaincu par le péché. Is conquered by sin. Chacun. Everyone. Est esclave. Slave du péché of sin qui a dominé sur lui. That dominates tu connais ta lèpre. You know your lèpre. Certains leur lèpre. C'est l'adultère. Is adultery. Tu ne peux pas dormir. You can't sleep. Ça connaît l'adultère. Without tu peux avoir un beau costume. You can have a good mais tu es un prostitué. You are a prostitute. Tu peux avoir un grand you poste. Can have a great post, mais tu es un prostitué. A prostitute. Tu peux avoir de grands diplômes. Mais tu es un prostitué. Prostitute. Naman. Naman. Général. General. Mais lépreux. But lépreux. Certains vaincus. Some come par l'homosexualité. But homosexuality. Le péché a vaincu le monde. Et aujourd'hui, les hommes s'efforcent d'expliquer et donner une raison au péché. La seule raison du péché, c'est que tu es séparé de Dieu. You are separated. Oh non. Oh no. Et ça peut être congénital. Et ce sont des chromosomes. C'est pourquoi il a un penchant pour les hommes. Arrête ça. Stop that. Il y aura. Tu ne peux pas dire à Dieu ce qu'il a créé. Ferme ta bouche. Close your mouth. Menteur. Liar.
Je s'appelle le péché. L'homosexualité est un péché. Le lesbianisme est un péché. That is it, is it. Ce qui a vaincu. What? Qu'un homme, amen. Une femme, a woman. Un jeune homme, a youth, une jeune fille, a youth, un enfant, a child. Il en est esclave. He's slave of it. Les esclaves de l'homosexualité essayent de nous faire trembler. Mais j'aimerais vous dire, vous pouvez faire trembler le monde entier, mais vous ne pouvez pas faire trembler les serviteurs de Dieu. You can make tremble the whole world, but you can never make tremble. Vous pouvez faire trembler le monde entier. You can make tremble. Vous pouvez faire trembler les nations, mais vous ne pouvez pas faire trembler la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement. Et j'ai l'honneur de vous dire, Monsieur Macron, que l'homosexualité est un péché. Vous n'avez rien à vous dire. Les obstinateurs ne sont pas Dieu. Les Occidentaux ne sont pas Dieu. La Bible n'est pas le livre des Occidentaux. La Bible est la parole de Dieu. J'ai l'honneur de vous dire, au nom de Jésus, in the name of Jesus, que vous êtes menteur, that you are liars, vous ferez mieux de vous repentir. You shall do better of repenting. On s'efforce force de justifier l'injustifiable. To justify the unjustifiable. On s'efforce de justifier l'injustifiable. We force ourselves to justify why we can't. On s'efforce de justifier l'injustifiable. We force ourselves to justify why we can't justify. Parce qu'on ne veut pas honorer Dieu. Because we don't want to honor God. Mais Dieu est toujours Dieu. But God is always God. Mais Dieu reste Dieu. But God is God. Et sa parole reste sa parole. And his word stays his word. Oui. Yes. Tu connais le péché qu'il a vaincu. You know the sin that conquered. Tu ne peux pas dormir. You can't sleep. Certains. Some. Ne peuvent pas passer une journée. Can't pass a day. Sans quereller. Without quarreling. Les querelles sont pour elles comme la nourriture. Quarrel are for them like hey! Tu as besoin de te repentir. You need to repent. Tu as besoin de repentance. Repentance. Chacun. Everyone. Est esclave. Is slave. Du péché. Of sin. Qui a dominé sur lui. That had dominé. Naaman a vaincu l'armée. Naaman. Mais il ne pouvait pas vaincre la lèpre. But he could. Tu peux vaincre une armée. Mais tu ne peux jamais vaincre le péché. But you can't conquer sin. Si tu dois vaincre le péché, if you have to conquer sin, il faut quelque chose de plus que toi. You need something that is over you. Amen. Amen. Dans la forme de l'homme, on l'a vu ce jour. When the women of Naaman saw. Ah, mon mari. Oh, my husband. Enfin. Enfin. At last. Il y a une solution. There is a solution. Naaman dit quoi? What is Naaman? Solution de quoi? Which solution? Dis mon mari. My husband. Tu peux être délivré de cette lèpre. You can be delivered of that. Je vais dire à quelqu'un ce soir. I want to tell you. Tu peux être délivré de cet esclavage. You can be delivered of that slavery. Tu peux être délivré de cet esclavage. You can be delivered of that slavery. Tu peux cesser de violer tes enfants. You can cease of raping your children. De violer ta fille. Of tu peux cesser. You can stop. Tu peux arrêter de te masturber. You can stop masturbating. Jésus est capable. Jesus is able. Tu peux arrêter avec le banditisme. You can stop. Tu peux arrêter avec la prostitution. You can stop the prostitution. Pas par toi-même. Not by yourself. Pas par toi-même. Not by yourself. Il y a une possibilité. A possibility. Elle n'a pas dit d'abord. Is it not the tu as le remède. You have. Mais la dîme n'a pas. But he says, le remède existe. Laisse-moi dire la fête ce soir. Ne te décourage pas. Le remède existe. The drug exists. Ne te décourage pas. Don't discourage. Si le péché est avec toi. Ne te décourage pas. Don't discourage. Le remède existe. The drug exists. Ah, le remède existe. The drug exists. Il y a un remède pour ta lèpre. The drug for il y a un remède pour cette lèpre. The drug for il y a un remède pour cette lèpre. Il y a un remède pour cette lèpre.
Il y a un remède pour ses lèvres. Il y a un remède pour ses lèvres. Et papa, et aller voir le roi. Il a dit, écoute, s'il te plaît, donne-moi une lettre. Give me a letter. Mets-moi en mission. Put me in mission. S'il te plaît, mon roi. Please, my king. Tu sais. You know, j'avais un problème de pied. I had a problem. Mais je ne t'avais pas dit. But I did not tell. Écoute, listen, je suis libre. I'm libre. Oh, dis quoi? What? Oh, dis. Yes. Oui. Yes. Je dois te le dire. I have to tell you that. Je t'ai caché ça. I hid that. Mais aujourd'hui, but today, je vais te le dire. I want to tell you that. Mon roi, my king, j'ai un problème. I have a problem. Mais je n'ai pas que le problème. But I don't just have that problem. La solution. I know the solution. Fais-moi une lettre. Do a letter. Écris au roi car. Write to the king. Il faut que j'aille là-bas. I have to go there. Parce que. Because. Dans son pays. In his country. Il a un nom. There is a man. Qui guérit les lépreux. Who heals the leper. You want to ask me. The king said, et il a écrit la lettre que nous venons de lire. And he wrote the letter we are just voici que je t'envoie normalement mon serviteur. This is afin que tu le guérisses de sa lèpre. So that you should deliver him of his leprosy. Moi j'aime le roi. I love it. Il ne dit même pas s'il te plaît. He don't say please. Il dit monsieur. He says mister. Tu sais. You know. Pour que je ne t'enlève pas. So that I should not remove you. Que je ne revienne pas avec mon armée. That I do not come back with je t'envoie mon serviteur. I send you myself. Afin que tu le guérisses. So that la Bible dit le roi d'Israël. The Bible says that when the king of Israel a lu la lettre, read the letter, il a déchiré ses vêtements. He tear it. Il a dit je suis dépassé. And he says I am amazed. Il a dit comment? And he says how? Suis-je un Dieu? Am I a God? Pour que lui, so that he, il m'envoie un homme. He sends me a man. Pour le guérir, to heal. Moi, me, suis-je un Dieu? Am I God? Hey, hey, hey. Hey. Il me cherche une autre querelle. Ah, il me cherche la terre. Ces hommes veulent encore venir. Même le peuple qu'ils ont laissé, ils veulent l'emporter. With the small that they left, they want to take it again. Le roi commandait, là, il était dans tous ses états. Was in all his et il y avait là un serviteur. And he was there in servant. Un serviteur. In servant. Son pasteur c'était Élisée. His pastor was Elisha. Il a dit au roi. And he told the king. Roi, attends. King, wait. Attends d'abord. Yes. Je vais aller voir mon pasteur. Go and see my pastor. Il a couru. He ran. Il dit Élisée. And he said Elijah. Quelque chose s'est passé. Something arrived. Regarde-moi ça. Look at this. Le roi d'Assyrie. The king of Syria envoie depuis Nini, sent from Nini, le chef de l'armée, chief avec un lettre, the letter, au roi d'Israël, to the king of Israel, and tells him, guéris-le, heal him, de sa lèpre, of his leprosy. Et Élisée, Elisha, c'est fini pour tout le monde, it's finished for us. J'aime Élisée, I love Elisha. I love Elisha. Il dit mais pourquoi le roi a déchiré ses vêtements? He says, why did the king tear his clothes? I want to tell you, Christians. Quand Jésus vit en toi, when Jesus lives in you, tu as la solution. You have the solution. Yes. Yes. Tu as la solution. You have the solution. Pourquoi le roi a déchiré ses vêtements? Why do the king tear his clothes? Qu'on envoie ici. Let him. Laissez-le venir ici. Leave him to come here. Qu'on l'envoie ici. Let him come here. Et il sera. And he shall know. Il sera. He shall know. Qu'il y a en Israël. That is in Israel. Un homme qui sert Dieu. A man who serves God. Il sera. He shall know. Qu'il y a en Israël. That is in Israel. Un homme qui plaît à Dieu. A man who pleases to God. Le serviteur est arrivé au palais. When the servant arrived, il a donné la réponse d'Élisée. And he gave the answer of Elisha. Parce que le roi n'avait plus mangé. Because the king did not eat. Yeah. Il avait perdu l'appétit. He lost appetite. Quand vous dites quelqu'un a déchiré ses vêtements, when they tell you someone tear his clothes, il ne savait que faire. He did not know what to do. Le roi a respiré. The king
prayed. Il a dit, maman, and he said, now, tu n'es pas perdu. You are not lost. Mais tu es désorienté. But you are disoriented. Donc, tu n'es pas perdu. You are not lost. Mais tu es désorienté. But you are disoriented. C'est pas ici l'adresse. Not there, near the address. Tu vas aller dans telle rue. You shall go in this rue. Tu traverses. You shall go like. Tu descends. You go down. Ne considère pas la cabane. Don't see the herd. Ne considère pas la cabane. Don't consider the herd. Quand tu vas arriver là-bas. When you shall arrive there. Il n'y a pas le mal. It's not maybe. Mais il y a la solution. But there is the solution. Naaman a dit. Naaman said. Merci roi. Thank you King. Même si tu m'envoies où je pars. Even if you send me where I go. Il est arrivé chez Elisha. And he arrives to Elisha. Mais vous savez. But do you know. Il a un type d'homme. He's a kind of man. Qui n'a ni faim ni soif. That is not thirsty nor hungry. Il y a un type. Des serviteurs de Dieu. Is a type of servant of God. Qui n'a ni faim ni soif. Is not hungry nor thirsty. Ni no hungry nor thirsty. Not hungry nor thirsty. Élisée c'est ce genre d'homme. And Elisha is that type of man. Il était en train de prier. He was praying. Naaman l'a trouvé en prière. Naaman found him in his prayer. Et son serviteur venu lui dire. And his servant came. Papa, Father, le général là que tu as tiré là-bas dehors. The general that you said is outside. Élisée a dit, il est où? And Elisha said, where papa, il est devant la porte. He's in front of the door. Sors alors tu viens le recevoir. Go out and receive him. Élisée a dit non. And Elisha said no. Va lui dire. Go and tell him. Va lui dire. Go and tell him. Qu'il aille là-bas. That he goes there. Dans la rivière qu'on appelle le Jourdain. The river called Jordan. C'est une rivière qui a la peau. Is the river that has more. Qu'il traverse la peau. Let him go through a door. Et il se lave dans l'eau. Like that, he washes himself. Il plonge sept fois. He goes inside. Il plonge. Il sera guéri. And he shall be. Son problème sera résolu. His problem shall be resolved. Gehazi est sorti. And Gehazi. And Gehazi. Le serviteur d'Élisée s'appelait Gehazi. The servant was Gehazi. D'Élisée, serviteur d'Élisée. The servant of Elisha was Gehazi. Amen. Amen. Gehazi. Gehazi. Il est sorti de Naaman. He went out to Naaman. Oh Naaman. Oh Naaman. Papa est en prière. Father is praying. Il ne peut pas sortir. Papa cannot come out. J'aime. I love my wife. Tu es trop orgueilleux. My wife tell me you are too proud. Et je lui dis j'accepte. And I tell, I accept. Je suis en train de travailler. I'm working. Si il attend, il attend. If he wants to wait, he waits. If he comes out, he goes back home. Je vais finir. I will finish. Et après je vais le recevoir. After I will see him. Si tu es trop fâché, if you are too angry, you go back. We do not have a meeting. Personne. No one changes my program. You. No one changes my program. Il y a un orgueil que je ne peux jamais perdre. There is a proudness I can never lose. L'orgueil de respecter Dieu. The pride of respecting God. Je ne peux pas perdre ça. I can't lose that. I learned how to. Je ne peux pas perdre ça. I can't lose that. Yes. C'est un vieux. Je dis s'il est trop pressé, il part. Je n'ai pas invité. If he is too hurry, he should go. I do not invite him. Tu ne peux pas parler avec Dieu et quelqu'un vient te distraire. You cannot talk with God and someone come and distract you. Anti. Anti. When Mr. Charles calls you, the headmaster, director or ACRT, t'appelle la directrice de l'ACRT, and you receive, et tu reçois, you are there, receive instruction. Tu es en train de recevoir les instructions. And you say,
Docteur Bakay is in your office. Docteur Bakay, can you leave the place? Est-ce que tu peux quitter la place? Can you leave the place? Est-ce que tu peux quitter? Ah, regardez sa réponse. Look her answer. Say it. Can you leave the place? She says no. If you leave the place, you are crazy. If you quit the class, tu es fou. C'est seulement les serviteurs de Dieu. It's just the qui ne respectent pas la maître. Le maître a donné des instructions. On te cherche. Il for you. You stop. Tu peux même appeler 1000 fois au téléphone. Ça va sonner, ça sonne bien. God, mais je ne parle pas. On my phone. It will ring very well and I shall not take. Je ne prends pas si tu es trop fâché, n'appelle plus. If you are too angry, don't call. Yes. Cet homme a dit, that je suis soumis. I am submitted. J'ai des serviteurs. I am submitted. Et moi aussi je suis soumis. And also me, I'm submitted. C'est seulement à l'église, on voit un chrétien parler avec son pasteur au téléphone, son lit prend le téléphone. It's just in church. Papa, attends un peu. Voilà, oui, c'est un appel important. Je vais te chasser de ma présence. Il faut beaucoup aimer votre maman. You have to love your mother. C'est elle qui vous sauve de certaines choses. It's her that saves you. Je vais te chasser de ma présence. I shall of my presence. Yes. Tu parles avec ton supérieur. You are talking. Et ton téléphone sonne. Papa, attends. Phone ring. Si lui il ne peut pas attendre, tu peux continuer. You can continue. Je peux vous choquer un peu. Can I shock you? Tu vois les gens à l'église. You see people in church. Le pasteur est en train de prêcher. Pastor. Il est sur WhatsApp. He's on WhatsApp. Il est sur WhatsApp. He's on WhatsApp. Dieu est en train de parler. God is talking. Il est là avec son téléphone. He's with his phone. Je vais te chasser. I shall chase you. Yes. Il faut savoir. You have to know that Elijah. Va lui donner la nouvelle. Go and give him the news. Hey, Gehazi a said never. Je ne peux plus rentrer là-bas. I cannot go there again. Ah, Naman dit c'est quoi ça? Naman said what is it? Gehazi. Gaza. Je croyais qu'il allait sortir. I thought he would come out. Il allait se présenter. He shall present himself. Donner son palmarès. Comment Dieu l'a utilisé. How God used him. Oh. Il allait me dire. He shall tell me. Comment il a marché avec lui. He walked with Elijah. Comment le manteau de lui est tombé sur sa main. Comment il a utilisé le chourdain. Et j'attendais qu'il vienne. Qu'il se présente. Qu'il me dise son palmarès. Et après. Qu'il agite sa mère. Ah, qu'il prononce une parole. Et qu'il guérisse le lépreux. Heals the lepra. Il me dit d'aller me laver. He tells me to go and bathe. Dans le Jourdain. In the Jordan. Le fleuve, le la rivière pourrait sur Jourdain. That river has more. Alors que dans mon pays, whereas in my, il y a des fleuves comme Albana. There are rivers like Albana. Il y a des fleuves comme le Papa. There are rivers as the Papa. Est-ce qu'on peut comparer? Can we compare? On peut comparer Makora et le Jourdain. Can et le Vouri. Compare. Tu connais Makora? And the Vouri. Tu connais Makora? Do you know Makora? Tu connais Makora? Do you know Makora? Tu connais Makora? Do you know Makora? Tu connais? Do you know Makora? Do you know Makora? You know Makora? Vous savez? Do you know? Quand j'étais petit. When I was small, j'allais à Ézéchiel à prier. I went to Ezekiel to pray. J'avais un père qui m'enseignait à prier. I had a father who taught me how to pray. Et on traversait un petit ruisseau qui s'appelle Makora. And we crossed a small river called Makora. Et il me disait, and he told me, tu vas rester ici pendant 7 jours. You shall stay here for 7 days. Il n'y a pas la nourriture. There's no food. Il n'y a pas l'eau. There's no water. Ne bois pas l'eau de Makora. Don't drink the water. Tu vas mourir. You fall to die. No life. That was the problem. It's not good. Comment? How? Tu peux me dire? Can you? D'aller me plonger dans Makora. To go and plunge and. Alors qu'il y a le Vouri. Why not this Vouri? Tu sais? Do you know? Ta guérison se trouve. Your healing is here. Là où Dieu se trouve. It's where God. Là où tu veux que Dieu. Not where you want that God to go. Ta guérison. Your healing. Va se trouver sur une tente. We'll be on a tent. Si tu es sur cette tente, God is on même si tu as tout un palais, if you, leave a palais. Écoute-moi. If
C'est pourquoi j'ai jamais eu honte de prêcher l'évangile. J'ai prêché dans les huttes. J'ai prêché dans les huttes. Je prêche sous les tentes. Je prêche en plein air. Je prêche sous les arbres. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le bâtiment. C'est sa présence. C'est sa présence. C'est sa présence. Je sais que ta maison est climatisée. Mais tu es quand même sous cette tente. Et ton histoire va changer ici. Je sais que ton bureau est climatisé. Your office. Mais tu es quand même sous cette tente. En prise avec la chaleur. Oui. Mais ton histoire va changer ici. Parce que Dieu est ici. Because God is here. Jésus est ici. Jesus is here. Acclame très fort. Clap for the Lord. So that the Norman se plonge volontairement et consciemment. That Norman, he does himself voluntarily and consciously. Mon fils, you know my son. Tu peux faire une fois par accident. You can do it one time by accident. Tu peux faire deux fois par obligation. Mais si, but sans if la pression de personne, about the pressure of tu fais la même chose sept fois, c'est que tu as terre. It means that you are with the king. C'est que tu accèdes. It means that you accept the thing. C'est que tu acceptes. It means you accept. Écoute-moi. Listen to me. Écoute-moi. Listen to me. Sept fois. Seven times. Sept fois. Seven times. Non, ton histoire peut changer. Your soul can change. Ton péché peut être effacé. And be erased. Si tu acceptes, if you accept, le sang qui a coulé à la croix. The blood who flowed on the cross. Je vais te dire ce soir. I want to tell you this evening. Jésus est la solution. Jesus is the solution for your sin. Il a dit. He said. Allez partout le monde. Go all over the world. Allez, go. Annoncez l'évangile. And preach the gospel. À toutes les nations. To all nations. Celui qui croira. The one who shall believe. Celui qui accepte the one that accepts you. Et qui sera baptisé. And that shall be baptized. Sera sauvé. Shall be saved. Celui qui croira. The one who shall believe. Et qui sera baptisé. And that shall be baptized. Sera sauvé. Jésus n'a jamais dit. Jesus never said. Celui qui croira, the one who shall believe, et qui sera aspergé, and the one that shall be, sera sauvé. Spirit. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis obligé de rectifier certaines choses. But I'm obliged to rectify. Le baptême, l'aspersion n'est pas le baptême. Is not. Allez dans vos dictionnaires. C'est pas moi qui ai créé le mot. Baptiser signifie immerger. Baptize signifies immerger. Plonger. Le mot baptême. Le mot baptême. The word baptism est devenu religieux. Mais à l'origine, il n'est pas un mot de la religion. At the origin, le mot baptême, c'est un mot de l'artisanat. The word baptism is an artisanat. Lorsque les Grecs, when the Greeks faisaient la teinture, were painting, la teinture, they painted, exactement, ils prenaient un tissu blanc, they took a white, et on le plongeait dans la teinture. In et c'est ce qu'on appelait baptême. And is what we on baptisait le tissu. We baptized. Quand le tissu ressortait, the tissue, and when it il avait d'autres couleurs. It had another color. Le mot a été emprunté de l'artisanat. The word was taken from baptiser, c'est plonger.
baptized. La mort, si tu ne veux pas plonger, tu vas rester toi-même. Stay the same. Tu vas rester toi-même. You shall stay the same. Tu sais. You know. Écoute-moi. Listen to me. Écoute-moi. Listen to me. Écoute-moi. Listen to me. Je ne prêche jamais la religion. I never preach. Je prêche la parole de Dieu. I preach the word. Jésus l'a fait exprès. Jesus made it. Il a dit. He said. Celui qui croira. Croit. Puis c'est le premier pas. Is the first. Et ne peut pas baptiser un enfant. Baptize a child. Oh, excusez-moi. Excuse quand je vous parle de la doctrine du baptême. On ne peut pas baptiser un enfant. Parce qu'aucun enfant ne croit. No child believes. Les bébés ne croient pas. Bébés, ne les baptisez pas. They don't baptize. Bénissez-les. Bless them. Marc chapitre 14. Marc chapitre 10, verset 14. Jésus dit, laissez venir en moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui le savent. Le verset 15 dit, il les prie, il les bénit. And bless them. Il les a jamais baptisés. He never baptized. Être chrétien. Being a Christian. Ça ne veut pas dire aller à l'église. Go to ça church. Signifie être comme Jésus. Like le baptême est une obligation. Is obligation. Pour ceux qui croient. For those who believe. Le baptême est une obligation. Pour ceux qui croient. For la Bible déclare. The Bible dans le livre de Matthieu. In the book of le chapitre 3. Verse 3. Alors qu'il sortait de l'eau, as he came out from water, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Jésus sortait de l'eau Jesus was parce qu'il a été baptisé dans l'eau. He was baptized in water. Ce n'est pas négociable. It's not negotiable. Celui qui croira the one who shall be et qui sera baptisé and that shall be baptized, sera sauvé. Ils disent non. They say no. Le baptême est un sacrement. Baptism is a sacrament. C'est plus qu'un sacrement. It's more than a sacrament. Ah, permettez que je prêche. Permit me to preach. Ah. Oh. Mon fils, ma fille. My son, my daughter. C'est plus qu'un sacrement, cher collaborateur. Le baptême, c'est plus qu'un sacrement. Baptism is more than a sacrament. Le baptême. Baptism. C'est un mystère. It's a mystery. L'apôtre Paul dit. Apostle Paul tells the Lord. C'est par le baptême. It's by baptism. Que nous devenons. That we become. Une même plante. The same plant. Avec Christ. With Christ. Une même plante. The same plant. Par le baptême. By baptism. Que nous devenons la même chose. We become the same. En votre thème. In all our thème. Le baptême chrétien. The Christian baptism. Et toi, tu le chrétien. Tu peux aller à l'église. Une I had a classmate. Un jour, je suis allé dans son bureau. One day, I went in her office. Et elle m'a donné un sujet de prière. And she gave me a point of prayer. Nous avons eu la discussion sur le baptême depuis la terminale. We had a discussion on baptism since upper seat. Depuis la classe de première. Since lower seat. Depuis la classe de première. Since lower seat. Elle a reçu Jésus. She received Jesus. Elle a reçu Jésus. She received Jesus. Mais, but, la question du baptême. The question of baptism. Elle m'a dit, she told me, le brigand à la croix est allé au ciel sans être baptisé. The thief on the cross went to heaven without being baptized. Elle n'a pas menti. She is not lying. Est-ce qu'il était baptisé? No. Was he baptized? Elle n'a pas menti. She did not lie. Mais seulement. But only. Elle n'a pas noté qu'il n'avait pas eu le temps d'être baptisé. She did not know that he did not have the time to il be baptized. Il était au seuil de la mort. He was at the edge of death. Il était condamné à mort. He was condemned. Il n'avait pas le temps. He did not have time pour le baptiser. To be baptized. Mais toi, but you, tu as le temps. You have time pour être baptisé, to be baptized, et pour servir Dieu. And to serve God. Parce que moi aussi je pouvais lui dire, because me also le brigand à la croix.
est parti au ciel sans jamais faire une nuit de prière, un culte d'enseignement. Il n'a jamais fait un grognon d'adoration. Non, on va quand même le retrouver au ciel. Mais toi, tu fais des cultes d'enseignement. Tu fais des réunions d'adoration. Make meetings of worship. Écoute-moi. Listen to me. C'est le baptême is baptism qui fait that makes de toi une même plante avec Christ. With Christ. Tu deviens une partie du corps de Christ. Of a part of the body of Christ. Il y a une puissance. Power. C'est comme la sève qui part de la racine. It's like qui monte dans le tronc de l'arbre et qui se répand dans les branches. La Bible dit que Jésus est là. Jésus est le tronc. The Bible says Jesus is a stem. Nous, nous sommes les branches. We are the branches. La vie de Jésus the life of Jesus va couler par toi. Shall flow by si you. Tu acceptes de me croire you accept of et de te faire baptiser. And to baptize. Yes. Naman. Naman. Si tu veux être délivré de ta lèpre. If you want to be delivered of your lèpre. Oh non. Oh non. Oh non. Comment on va me plonger dans l'eau sale? How can I plunge myself in dirty water? C'est seulement dans l'eau de ma corps là que tu vas partir. It's only in that water of my corps I shall go. L'eau sale de ma corps. The dirty water of my corps. L'eau sale. The dirty water. C'est là que tu vas entrer. It's where you shall enter. Parce que c'est là que se trouve. Because it's there that is. Le salut. Salvation. L'apôtre Paul vous dit. Tells us par le baptême, nous sommes ensevelis avec Christ. We are dead with Christ pour ressusciter. We are buried in Christ. C'est-à-dire que le baptême a quelque chose à voir has something avec la victoire sur le péché. With victory. C'est là que le vieil homme perd sa puissance. It's there that the old man. C'est là que le péché perd sa force. He loses his strength. Oh bien aimé, beloved one, tu as besoin d'être you baptisé. Non, je ne veux pas dire baptisé. Tu as besoin d'être immergé. You need to be tu as besoin d'être plongé. C'est bien d'accepter Jésus. Mais il faut accepter le deuxième pas. Si tu veux que ton ciel s'ouvre, comme le ciel de Jésus s'est ouvert, tu dois passer dans les eaux du baptême. You have to pass through baptism. Et ma camarade m'a dit, and my mate told me, voici, dis, j'attends tel âge et je ne suis pas là. I have this age and I'm not yet known. Il faut prier pour moi. You have to pray for me. Et j'ai commencé vraiment à prier pour elle. And I started praying for her. Et le Seigneur m'a dit. And the Lord told me. Tu connais toi-même. You know yourself. Il dit, Seigneur, je connais. Lord, what does I know? Il dit, rappelle-toi. Vous savez pourquoi je prêche sur le baptême. Do you know why I preach on baptism? Moi. Me. Dieu. God. A utilisé un. Bataille 3 ans pour me convaincre de me baptiser. Battle 3 years to make to convince me to be baptized. J'ai cru à l'âge de 10 ans. I believed at the age of 10 years. Je voulais me baptiser. I wanted to baptize myself. Mais vous avez vu mon papa. L'évangéliste a dit non, on ne peut pas me baptiser. But you saw petit. My father. You, à l'âge de 11 ans, je voulais me baptiser. Il a dit non. At the age of 11, I wanted. He said no. 12 ans, je voulais baptiser. Mon papa a dit non. 12 years, my father said no. Et à l'âge de 13 ans, je ne voulais plus me baptiser. At the age of 13, je voyais qu'on pouvait être chrétien sans être tout baptisé. Because I thought we could be Christian without being baptized. And I prayed. Je jeûnais. I fasted. Je servais le Seigneur. I served the Lord. Chaque fois que je voyais quelqu'un qui est baptisé péché. But every time I saw someone baptized. Il est baptisé et il pêche. I said, look at that one. Je ne suis pas baptisé. It does. Et moi, je m'efforce de garder ma sainteté. We are not baptized. I'm forcing myself to keep my holiness. Non, 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 non. No. Et un jour dans la nuit. And one day in the night. Le Saint-Esprit, j'étais en train de faire ma lecture. I was reading. Le Saint-Esprit m'a dit. And the Holy Spirit told me. Va dans Luc au chapitre 7. Go in Luke 7. Le verset 29 et 30. Verse 29. Que quelqu'un lise cela. Let someone read. Donnez un micro à quelqu'un pour lire le verset 30. Someone read that.
Je vais vers la fin de mon message. I'm going toward the end of my message. Celui qui croira et qui sera baptisé. The one who shall believe and shall be baptized. Lis. Oui. Non. Chapitre 7. Luc chapitre 7. Chapter 7. Verset 29 et 30. Verse 29 and 30. Écoute ça, écoute ça. Listen that. Écoute ça. Listen that. Il n'y a pas un micro là-bas. Non. C'est give her the mic. Luc 17, verset 29. J'ai dit Luc 7, qu'est-ce que tu avais dit? Verset 29 et 30. Oui. Tout le peuple qui l'a entendu. Tout le peuple qui l'a entendu, il s'agit de Jean-Baptiste. Et même les collecteurs d'impôts. Et même les collecteurs d'impôts. Ont reconnu la justice de Dieu. Ont reconnu la justice de Dieu. En se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. Tu peux être à l'église, mais tu rejettes le plan de Dieu pour toi. The plan of God for you. Tu vas à l'église, mais tu rejettes le plan de Dieu. Je n'ai pas dit que tu ne pries pas. Je n'ai pas dit que tu n'as pas cru. Mais il manque un pas. But you need one step. Écoute-moi. Dans as Kasaba, ne passe pas le camp dans l'eau. Do not pass that in water. Tu n'auras jamais le bâton de Manok. You shall never have. Écoute-moi. You shall never have Bogolo. Fais comme tu veux. Do as you want. Tant que le Manok as well, ne passe pas du camp dans l'eau, do not pass that il ne deviendra jamais agréable pour faire un bâton de manœuvre. Tu vas faire le chicot mais pas le bâton. Tu comprends ça? Il y a des gens qui sont des chicots dans l'église. Dieu veut les transformer en bâton de manœuvre. C'est pourquoi ta vie n'est pas flexible. Parce que tu ne te laisses pas briser par Dieu. C'est pourquoi tu n'es pas flexible. Tu es resté raide comme un manioc. You are sweat like it. Oh, je te laisse plonger. Je suis toujours en train de vous prêcher. I am still preaching you the gospel. Je vous parle de l'évangile. I am speaking of celui qui croira, the one shall be, et qui sera baptisé, sera sauvé. Shall be saved. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a une puissance qui est libérée. Lorsque tu traverses les choses du baptême, quand tu passes par le baptême chrétien, une puissance est libérée. Oh, j'ai un de mes fils. Bientôt nous allons l'ordonner, pasteur. Il était ici il y a deux jours. J'ai vu maman Cécile ici, elle est où? I saw maman Cécile here. Where is she? J'ai vu Cécile Foucault ici, non? Elle est où? Cécile here. Where is she? Lève-toi. Stand, come. Je vais donner le témoignage devant elle. I'll give the testimony. Parce qu'elle a assisté à ça. Because she was there. Où est l'enseignement? Where is it? Lève-toi. Elder man. Écoute. Stand. Je te parle d'un de mes fils. I talk of one of my sons. Bientôt. Soon. Mes frères Narcisse. Sera ordonné pasteur avant la fin de cette année. The end of this la Suisse Narcisse était un faussaire. Was a faussaire. Voici ma fille ceci. Elle est témoin de cela. Voici un autre témoin oculaire. C'était un faussaire. He was a faussaire. Il faisait de faux diplômes. Tout papier dont vous voulez dans ce pays, il le fait. Country, he does it. Oui. Yes. Avant que vous nous jetez les pierres, écoutez d'abord ce que Dieu fait par nous. Listen what God does by us. Il avait son bureau avec tous les cachets. He had his même le cachet du chef de l'État. With all his je parle au micro. Jésus l'a sauvé. Personne ne peut rien lui faire. Him. Tu sais, do you know, Narcisse n'agissait pas seulement. Did not just act avec l'intelligence. With intelligence. Il avait fait un pacte. He made a covenant. Il avait fait un pacte avec Satan. Même si vous l'arrêtez, even if you si il commence à te parler, tu vas le laisser. He start talking to you. Personne
No one. Narcisse est capable. Narcisse is able. Vous venez le chercher, il passe. You come and ne le touchez pas. He passes and you don't. Un fémin. Avec la puissance satanique. Power, the power. Narcisse a cru. The Narcisse, il a entendu l'évangile. He heard the gospel. Il a cru. He believed. Il a cru. He believed. Le pasteur Magro prêchait. Pastor Magro. Narcisse a cru. And he believed. Oh, que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Let the Lord bless. Il se repose aujourd'hui auprès du Seigneur. Cet homme a cru. That man believed. Parce que les gens insultent. Mais j'aimerais vous dire aussi que c'est nous qui résolvons les problèmes dans ce pays. Permettez-moi de faire une parenthèse. Dites-moi de tous les ministres qui sont à côté de qui est de l'église de Réveil. Alors, c'est pas nous qui détruisons le Cameroun, c'est vous. You are the one. Et qui disent que ton tour à tes mains sont tes 700. Je prêche au Cameroun depuis plus de 30 ans. My 500. My. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas m'intimider. You can't frighten me. Vous êtes trop petit. So little. Le feu de Dieu va vous dévorer. Prenez garde. Be careful. Je vais vous dire ce que nous faisons. I'll tell you what we did. Nous jeûnons. Nous prions pour cette nation. Je vous dis ce que nous faisons. Nous prenons de notre argent et nous investissons dans l'évangile. Je le dis dans ce pays. Je le dis à haute voix. Que quelqu'un se lève et qu'il dise qu'un jour, j'ai exploité 5 francs. Je lui paye 10 000 fois. I paid him 5,000 times. Ne confondez pas les bandits au pasteur réveillé. Amen. Moi, je suis un pasteur réveillé, je m'en vante. Si vous avez compté les bandits et vous avez laissé notre pays entre les mains des fémins, aujourd'hui, vous allez les confondre à nous. Je ne fais pas partie. Voici mon père. Le pauvre Jean se laisse au pasteur. 55 ans de ministère. Que quelqu'un se lève et qu'il dise que chaque lui avait escroqué ses francs. Arrêtez maintenant. Sinon, le feu va descendre dans cette nation. Va publiquement. Voici ma tête. Si vous voulez couper, coupez. Si vous pouvez. Arrêter. You have to stop. Il faut arrêter. You have to stop. Avec la confusion dans ce pays. Confusion in this il faut arrêter. You have to stop. Avec la confusion dans ce pays. Confusion in this country. Le pays, je vous dis. I tell you. Le frère Narcisse. The brother man Narcisse. A reçu l'évangile. Received. Et nous sommes arrivés avec lui. And we arrived with. Au sein du baptême. At the place of. Quand le frère Narcisse est entré dans l'eau. When he entered in water. Lorsque je l'ai plongé dans l'eau. When I immersed. Il est mort. Was dead. Totalement mort. He was dead. Totally dead. Mort. Hey. Dead. Dans l'eau du baptême. In the water of baptism. Je l'ai plongé vivant. I immersed him. J'ai élevé un mort. And I took. Il était présent. He was present. Je parle devant lui. I talked before him. J'ai dit Narcisse. Narcisse. Ici. Yeah. Satan va te laisser. Satan will lose you. J'ai engagé le combat. Comme vous êtes là. Je suis prêt. Tuez-moi, je suis d'accord. Narcisse est revenu à la vie. Narcisse est revenu à la vie. Je n'ai pas fini. I did not finish. Je n'ai pas fini. I did not finish. Je vous parle de la puissance.
power of God. Je suis arrivé. I arrived. Je suis arrivé. I arrived. À l'église. In church. Ah, je vous ai dit ça, Betty. I said, nous aurons un culte de sexe. We shall have. Et vous verrez. Of Holy Communion. And je vous dis. Je suis arrivé à l'église. I say, I arrived. Je faisais un programme. I did a program. Dans l'église de mon fils. The church of my son. Le frère Nassis était là. Brother Nassis. J'ai ordonné. I ordained. La scène s'est élevée. Est-ce que tu te souviens de ma saison? Tu te souviens? La scène s'est élevée. Tu ne m'aimes tout. Glory commandant and anointed all. Vous savez? Do you know? Ah, je peux entendre Dieu. I can hear God. Nassis est rempli. Il y avait un pouvoir sous sa maison. There was a une personne en dessous. Construit avec l'argent de l'escroquerie. Constructed with the money of quand j'ai sorti Nassis du baptême. Des autres du baptême. Je lui ai dit. I told him. Renonce aux connexions avec Satan. Abandon the connection. Nassis a renoncé. And he abandoned. Et il m'a dit. And he told me. Pasteur. Pastor. Papa. Ma Father. Pasteur. Papa. Father. Tout ce que j'ai. All what I have, même ce que je porte sur moi, even what I'm carrying, je l'ai eu par l'argent du fond. I had it by même the money. La maison où j'habite, even the house where je l'ai eu par l'argent du fond. I had it by money of Jesus. I said, Nassis, écoute-moi. Listen to me. Tu vas aller chercher. You shall go and see. Pas dans l'argent de l'escroquerie. Not in the money of. Tu vas travailler. You shall work. Jusqu'à gagner 25 000. Until you gain 25,000. Et tu vas donner ces 25 000 à ton pasteur. And shall give it to your pastor. Comme restitution. As restitution. Pour racheter. To redeem. Ce que tu as gagné. What you gain. Par le faux. By sin. C'est écrit dans ma Bible. It is written in my Bible. Ce n'est pas l'escroquerie. I did not. C'est pas l'escroquerie. It's not cheating. Ma Bible l'enseigne. My Bible teaches. Venez me voir, je vais vous montrer. Come and see me and I shall show you. La restitution est biblique. Restitution is being pour briser to grow les connexions diaboliques. The demonic connection. Nassis. Nassis. A méprisé cela. Despise that. Après le programme. After the program. Il est arrivé chez nous. He arrived at la nuit. In the night. La maison a commencé. Les carreaux ont commencé à sauter. Je vous parle authentiquement. Maman Cécile est témoin. Nassis. Ayaoundé. Les carreaux. On commençait à sauter. Nassis a pris la femme et les enfants, il a fui la maison. The dolls started jumping. De la chambre au couloir, dans les chambres au salon. Les carreaux ont commencé à sauter. The dolls were jumping. Nassis m'a appelé. Nassis called me. Frère, brother, tu es au pasteur. I said to the pastor. Appelle, donne-moi le don à Nassis au téléphone. Give to Nassis the phone. Nassis. Nassis. Est-ce que tu as fait ce que je t'avais dit? Do you do what I told you? Oh non, papa. Oh no, father. J'ai dit ok, Nassis. I said ok, Nassis. Mais maintenant, tu peux croire. Now you can believe. J'ai dit mon fils. I said my son. Je ne me déplace jamais pour des choses comme ça. I never displace myself for things like that. Prends une onction. Give him anointed oil. Quand il aura fait la restitution. He shall do the restitution. Bon, comme j'escrope les gens. Une maison coûte 25. As I cheat. Hein? Do you have une maison coûte 25,000? La Bible dit que le sacrificateur va estimer. That the sacrificator shall estime. J'ai estimé. I estime. À 25,000 francs CFA. À 25,000. Nassis a donné 25,000 à son pasteur. He gave the 25,000. J'ai vu la couleur de cet argent. À son pasteur. I never saw the color at all. I said to his pastor. Et le pasteur est allé loin de la maison et prier. And the pastor Nassis vit dans cette maison en paix aujourd'hui. Nassis est marié. He's married. Ce qui était impossible dans sa vie impossible. Est devenu possible. Les pharisiens et les docteurs de la loi. Pharisees and doctors of the law. En refusant de se faire baptiser. Refusing. Ont rendu nul. Made à leur égard. Fake to their Dieu. Eyes. They tant que tu ne te fais pas baptiser. Make yourself baptized. La destinée de ta vie ne s'ouvre pas. The destiny of your life is not open. Tu peux avoir des prophéties. You can have prophecies. Mais tu es dans une destinée fermée. In a closed destiny. Tu es né pour te marier. You are, mais tu vas vivre en concubinage. But you live parce que tu es fermé. We say because you are closed. Ah, merci. Merci. Thank you. Il a de la puissance. His power. Je répète. I repeat. Il a de la puissance. His power. Ce soir. This evening. Je suis venu. I came. Dire à quelqu'un. To tell someone. Il est temps. This, it is time. Tu acceptes. That you accept. De passer.
to pass de l'état de Mayoc from the state à l'état de Mayoc to the state of Obolo. Yes. Yes. L'état de Mayoc from the state of Cassava à l'état de Obolo. The state of Obolo. Parce que Obolo est pliable. Because Obolo il est flexible. On peut le mettre dans un sac. On peut, it in the bag. On peut le transporter facilement. Transport it. On peut même le cacher dans la poche. Even put it in the quand tu deviens chrétien, when you become a Christian, tu deviens flexible. You become flexible. Tu deviens flexible. Flexible. Tu peux entrer là où l'homme ne peut pas entrer. Tu peux passer là où l'homme ne peut pas passer. Je parle à toi. Je parle à toi. Je parle à toi. Ce soir, je vais lancer un appel. I will send the call. Hier, j'ai parlé. Yesterday, pour ceux qui ont, pour que les gens croient. So that people believe. Avant-hier, j'ai parlé. Before yesterday, pour que les gens viennent à Jésus. So that people come to. Mais ce soir, but this evening, j'ai parlé. I talk. Pour que quelqu'un prenne une décision. So that someone takes a decision. Jésus, je ne veux pas seulement vivre à toi. I don't just want to come to you. Mais je veux mourir avec toi. I want to die with you. Dans le sceau du baptême. Indeed. Je veux plonger comme maman. I want to immerse afin que so that puisse jaillir so that it can une nouvelle flow, a new power. Je veux prier avec toi. I will pray with you. Si tu es ici ce soir, if you are here, et tu prends la décision, and you take the decision, non pas seulement de recevoir Jésus, not just to receive, mais aussi de te faire baptiser, but to baptize. Viens, je veux prier avec come toi. Come, I pray with you. Viens maintenant. Come now. Viens maintenant. Come now. Viens maintenant. Come now. Viens maintenant. Come now. C'est l'heure de la décision. C'est l'heure de la décision. C'est l'heure de la décision. Je veux Jésus. I want. Je ne veux pas seulement être sauvé. Just. Je veux aussi me baptiser. I see Jesus. Viens. Come. Viens. Come. Viens. Come. Viens. Come. C'est l'heure de la décision. Time. Je veux. I need. Je veux. I want. Pas seulement. Not just. Être sauvé. Je veux. Entrer dans le sein du baptême. Je veux renoncer à mon orgueil. Je veux renoncer à mes craintes. Je veux renoncer à mes craintes. Il a fallu que Dieu me convainque. Dieu m'a convaincu alors que j'avais 13 ans. Et à l'âge de 15 ans, le 16 juillet 1989, je suis entré dans le sein du baptême. Je suis entré dans le sein du baptême. Ce soir, tu peux décider de venir à Jésus. Je te fais baptiser. Viens maintenant. Voici le moment. Voici le moment. Voici le moment. La peine que tu retentis dans ton cœur. Les desseins de Dieu ne s'accompagneront pas. Si tu restes, sans passer, without passer ce moment, Jésus est ici. Jesus is here. Y a-t-il quelqu'un ici? Is there someone? Ce soir, this evening, y a-t-il un homme? Is there a man? Y a-t-il une femme? Is there a woman? Y a-t-il un jeune homme? Is there une jeune fille? A young girl? Qui dit j'abandonne le monde? Je viens à Jésus. I come to Jesus. Je viens à Jésus. I come to Jesus. Celui qui croira. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Shall be saved. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tu dois croire et tu dois te faire baptiser. Si ce soir, tu es candidat, lève-toi. Viens Jésus maintenant. Viens Jésus maintenant. L'appel retentit ce soir. 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 Je veux me faire baptiser. I want to be baptized. Un jour, une de mes filles. One day, one of my daughters. Moi j'ai été baptisé. Me, I was baptized. C'est le jour de mon baptême. On a tracé le cercle. We traced a circle. On m'a mis dans les bougies. They put me au bord de la mer. At the ce n'est pas le baptême. C'est la magie. Ce n'est pas le baptême. It's not baptism. Je suis allé avec le corps, je l'ai rebaptisé. I went with her and I baptized her.
dans un voyage missionnaire avec elle, je l'ai rebaptisé. In a missionary, peut-être que ton baptême n'a pas été un baptême selon Dieu. Ce soir, tu veux recommencer. Jésus maintenant. L'heure de la décision. Je veux. I want. Écoute-moi. Bientôt je vais m'arrêter. Soon I will stop. Mais le ciel est encore ouvert. Je veux me faire baptiser. I want to be baptized. Je ne peux être trop tard. Oui, yes. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le péché ne peut pas perdre de puissance. Tant que tu n'acceptes pas as you not de devenir une même plante avec Christ. To become the same plant with Jesus. Je vais compter jusqu'à 5. Celui qui croit, celui qui sera baptisé, sera sauvé.
sauvé, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Body and your soul.
I pray for all the pension ordinance. And that we claim, we raise them in the name of Jesus. We justify their body by the blood of Jesus. We justify their spirit by the blood of Jesus. Let their names be written in the book of life. In the name of Jesus. Let destiny come to life. To come to life. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous jugeons les chaînes de la captivité. Jugeons les chaînes de la captivité. I judge the chains of Satan. Que vous êtes sorcellerie. Of mystery. Je juge le règne des esprits. I judge the reign. Je juge le règne des esprits par lui. I judge. Je libère ce peuple. Of fools of night. Je les réclame par le sang de la croix. Je réclame les délivrances par le sang de la croix. Je réclame les rachats par le sang de la croix. Healings.